Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma routine pansage. Donc bah, je vais vous montrer un petit peu comment je brosse Cyclone, enfin voilà. C'est une vidéo basique hein, mais je trouve ça cool de la faire. Donc je commence avec cette brosse style Magic Brush, donc de la marque Hypotonic, qui est juste géniale. Donc il y a la brosse et par-dessus il y a un capuchon où dedans il y a élastique plus peigne à pion. Donc juste génial quoi. Donc je passe cette brosse sur tout le corps sauf la tête et les membres, je la passe mais plus doucement. Sinon après sur tout ce qui est partie charnue, là j'y vais un peu franco. Donc l'épaule, l'encolure, les fesses, la croupe, enfin tout là où il y a du gras quoi. Donc là je passe au bouchon, donc c'est encore un bouchon de chez Hypotonic. Enfin bref, il est bleu. Par contre j'ai eu un bug. Il est bleu et puis il fait très bien son job. Donc là le bouchon je le passe partout. Donc là je le passe sur les membres, sur les oreilles, gentiment, sans pour pas le blesser. Sinon après sur tout le corps, j'insiste bien, c'est la brosse qui fait presque tout le pansage. Donc donc désolé mais Cyclone va pas mal bouger, mais parce que d'habitude je l'attache jamais à cet endroit là dehors. Il est tout le temps dans son box, enfin je le brosse tout le temps dans son box. Sauf que pour la vidéo c'était trop sombre, du coup j'ai préféré le mettre dehors. Donc là je vais passer au cure-pied, donc c'est un cure-pied tout basique de chez Decathlon. Bon bah je vais pas tout vous faire un cinéma sur comment curer les pieds hein, mais je me mets bien sur le côté pour pas qu'il y ait un coup de pied qui parte et que je me le prenne. Donc voilà, puis après je brosse bien bien les sabots en évitant qu'il reste de la terre. Parce qu'en plus Cyclone a les pieds souvent dégueu vu qu'il va souvent au paddock, c'est une joie. Donc là je passe à la brosse à crin, donc c'est une brosse pour humain, enfin je l'utilise plus hein, mais c'est une ancienne brosse à moi qui fait très bien l'affaire. Du coup je sépare la crinière en deux, la queue en deux pardon, parce qu'elle est trop épaisse sinon. Puis je brosse d'abord le bas de la crinière pour éviter de casser les crins, de en arracher. Mais voilà, donc vous pouvez voir le haut de sa queue qui est un peu abîmé, mais c'est parce qu'il se grattait. Du coup c'est en train de repousser. Comme sa crinière c'est une vraie catastrophe, mais il a encore des crins de bébé on va dire. C'est-à-dire que là tous les crins qui sont à la verticale, en fait c'est qu'ils n'ont pas encore fini de pousser. C'est une joie, c'est hideux, c'est pas grave. Là je prends brosse douce qui n'est plus très très douce de chez Fuganza, mais plus une brosse lustrante du coup, avec une petite époussette, donc ça c'est pour fignoler. Puis j'aime trop, ça le rend vraiment le poil vraiment très très doux. Puis bon, c'est cool, j'aime bien, le poney aime bien. Ah oui, là il a eu juste eu peur, enfin, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, ça a un peu surpris, mais enfin, il est un peu bête quoi. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous laisse avec un extrait du travail à pied que je mettrai peut-être en une vidéo complète. Donc en tout cas merci beaucoup à tous, et puis je vous fais de gros gros bisous, puis que 2017 soit encore meilleur.